plus de cigarettes contenant des arômes type vanille et plus de cigarettes mentholées à partir de 2020. Ce sont quelques-unes des mesures pour lesquelles les eurodéputés ont massivement voté malgré l'intense lobbying de l'industrie. Les Verts auraient voulu aller plus loin, mais se disent satisfaits. 700 000 Européens meurent prématurément chaque année à cause de la cigarette et du tabac. C'est 4 fois plus que le suicide, la drogue, les accidents du travail, les accidents de la circulation et le sida cumulés. En principe, la directive devrait entrer en vigueur en 2016. Les avertissements sur les paquets devront alors couvrir 65% de la surface avec des photos dissuasives. Premier ciblé, les jeunes. Les paquets de moins de 20 cigarettes, moins chers, seront aussi interdits. Les produits du tabac ressembleront à des produits du tabac et non pas à des cosmétiques comme ceux-ci. Ce sont des cigarettes achetées dans les bâtiments du Parlement européen. C'est un packaging très attractif, un peu comme un parfum. Ça ne sera plus possible. Un produit du tabac ressemblera à un produit du tabac. Point. Quant aux cigarettes électroniques, les pays pourront choisir de les classer soit comme des produits pharmaceutiques aidant au sevrage, soit comme de classiques produits du tabac. Mais leur concentration en nicotine ne devra alors pas dépasser les 20 mg par millilitre.